Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la RTB, amoureux de l'émission des mots et des maths, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission des intellectuels. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve pour cette 8e saison. Je suis Loris Yadakio et ce soir je suis avec Kabore Cédric. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, je vais bien. Pas trop stressé? Non, ça va. D'accord. Vous pouvez mieux vous présenter? Ok, je suis étudiant en économie, en fin de cycle de licence. Et je commence bientôt le Master 1. Je suis venu pour tenter ma chance à l'émission de mots et des maths. On vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Vous voulez faire un coucou à quelqu'un, Cédric? Bon, je veux juste saluer mes amis et ceux qui vont me reconnaître sur ce plateau. D'accord, donc on fait un coucou à vos amis alors. Cédric a pour adversaire Zida Abdoulkader. Bonsoir, Kader. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, Kader, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Zida Abdoulkader, infographiste, designer. D'accord. Vous avez déjà votre entreprise ou vous travaillez avec les gens? Oui. Bon, en freelance, maintenant, je travaille avec des entreprises en partenariat, sur le contrat. C'est super, alors. Oui. Vous voulez faire un coucou à quelqu'un, Kader? Et à la famille, toute la grande famille et tous ceux qui me reconnaîtront. En tout cas, on fait un coucou à toute la famille. Oui. On vous souhaite à tous les deux bonne chance. Sans plus tarder, nous allons commencer notre première manche, le Scrabble. Premier exercice de Scrabble. Voici les lettres. M, E, N, I, S, I, F, I, R et T. Avec M, E, N, I, S, I, F, I, R, T. Trouvez-nous le mot le plus long. Cédric, vous avez un mot à nous proposer? Oui, j'ai un mot de 6 lettres. 6 lettres. Et vous, Kader? Oui, j'ai un mot de 6 lettres également. Ok, on vous écoute, Kader. J'ai FIRME. FIRME, vous pouvez épeler, s'il vous plaît. F-I-R-M-E-S. C'est exact, Kader, ça vous fait 6 points. Et vous, Cédric? Moi, j'ai le mot FRIMER. Oui. F-I-R-M-E-R. Cédric, vous avez utilisé 2 fois la lettre R. Malheureusement, vous ne marquez pas de points. Alors, avec cette combinaison, le mot le plus long qu'on pourrait avoir est un mot de 10 lettres. Comme mot, nous avons infirmité. Infirmité qui s'écrit I-N-F-I-R-M-I-T, E accent aigu, S. Nous passons au deuxième exercice de Scrabble. Voici les lettres. A, G, A, R, I, M, E, F, O et R. Avec A, G, A, R, I, M, E, F, O, R. Trouvez-nous le mot le plus long. Kader, vous avez un mot à nous proposer? Oui, je vais aller pour un mot de 6 lettres. 6 lettres. Cédric, vous avez un mot de combien de lettres? Oui, j'ai un mot de 6 lettres également. On vous écoute, Cédric. De former. Former. F-O-R-M-E-R. C'est exact, ça vous fait 6 points, Cédric. Et vous, Kader? Oui, j'ai formé également. Oui. F-O-R-M-E-R. C'est exact également, ça vous fait 6 points. Avec cette combinaison, le mot le plus long qu'on pourrait avoir est un mot de 10 lettres. Et comme nous avons formariage. Formariage qui s'écrit F-O-R-M-A-R-I-A-G-E. Formariage est un terme de droit féodal. Mariage fait contre la loi ou la coutume ou contre le droit des seigneurs. On passe à notre prochaine manche, le conte.
Premier exercice de compte. Avec 4, 10, 8, 7, 10 et 2, trouvez un total égal 904. Avec 4, 10, 8, 7, 10, 2, trouvez un total égal 904. Cédric, le compte est bon? Oui, malheureusement, le compte n'est pas bon. Ni à prochain. Ni à prochain. Et vous, Kader? Oui, le compte est bon. On vous écoute, Kader. Et j'ai 10 fois 10. Oui. Qui fait 100. Qui fait 100. 7 plus 2, ça fait 9. Oui. 9 fois 100, ça nous fait 900. 900 plus 4, ça fait 904. C'est exact, Kader. Ça vous fait 20 points. Prochain exercice de compte. Avec 5, 7, 1, 4, 5 et 9, trouvez-nous un total égal à 570. Avec 5, 7, 1, 4, 5 et 9, trouvez-nous un total égal à 570. Kader, le compte est bon? Non, le compte n'est pas bon. Ni à prochain? Ni à prochain. Et vous, Cédric? Malheureusement, le compte n'est pas bon aussi. C'est dommage. Pour avoir exactement 570, il fallait faire 4 moins 1 égale 3, 5 fois 3 égale 15, 9 fois 5 égale 45, 45 moins 7, 38, 38 fois 15, 570. Malheureusement, aucun de mes candidats ne marque de points. Après cette manche, Kader est en tête avec 32 points et Cédric 6 points. On passe à notre prochaine manche, le Scrabble. En cette manche, les candidats choisissent alternativement entre consonne et voyelle. Cédric, choisissez. Voyelle. Voyelle E. Consonne. Consonne R. Consonne. Consonne F. Voyelle. A. Voyelle. Consonne. A. R. Consonne. P. Voyelle. E. Voyelle. O. Consonne. S. Trouvez-nous le mot le plus long. Avec E, R, F, A. A, R, P, E, O, S. Trouvez-nous le mot le plus long. Kader, vous avez un mot à nous proposer? Oui, j'ai un mot de 7 lettres. 7 lettres. Et vous, Cédric? Moi, j'ai un mot de 5 lettres. 5 lettres. On vous écoute, Kader. J'ai le mot Paris. Paris. Vous pouvez épeler. Oui. A. Deux R. E accent aigu. E mien S. Malheureusement, Kader, le mot Paris ne s'écrit pas avec deux R, mais plutôt un seul R. Vous ne marquez donc pas de points et vos points vont à l'endroit de Cédric. Avec cette combinaison, les mots les plus longs qu'on pourrait avoir sont des mots de 8 lettres. Et nous avons comme exemple le mot perforé. Perforé qui s'écrit P
E, R, F, O, R, E accent aigu, S. On passe à notre prochain exercice de Scrabble. Proposition, Kader. Consonne. Consonne. N. Consonne. S. Voyelle. O. Consonne. G. Voyelle. I. Consonne. R. Voyelle. O. Voyelle. U. Consonne. R. Voyelle. A. Avec ces lettres, trouvez-nous le mot le plus long. Avec N, S, O, G, I, R, O, U, R, A. Trouvez-nous le mot le plus long. Kader, vous avez un mot de combien de lettres à nous proposer? Je propose 6 lettres. 6 lettres. Et vous, Cédric? J'ai également un mot de 6 lettres. On vous écoute, Cédric. J'ai le mot rougis. Rougis, vous pouvez appeler? R-O-U-G-I-S. C'est exact. Ça vous fait 12 points. Et vous, Kader? J'ai surgir. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît? S-U-R-G-I-R. C'est exact également. Ça vous fait 12 points. Avec cette combinaison, le mot le plus long qu'on pourrait avoir est un mot de 8 lettres. Nous avons le mot argousin. Argousin qui s'écrit A-R-G-U-S-I-N. Argousin qui veut dire bas officier des bagnes chargé de la garde des forcats. On passe à notre prochaine manche de compte. Proposition, Kader. 3. 3. 75. 75. 50. 50. 5. 5. 6. 6. 1. Et 1. Avec 3, 75, 50, 5, 6 et 1, trouvez-nous un total égal 791. Avec 3, 75, 50, 5, 6 et 1, trouvez un total égal 791. Kader, le compte est bon? Non, le compte est approchant. Approchant, vous avez combien? 789. 789, il vous manque 2 points donc. Mm-hmm. Et vous, Cédric? Ah, le compte n'est pas bon. Ni approchant? Non, ni approchant. Kader, on vous écoute. Et 3 moins 1 qui me font 2. 2 fois 5 qui me font 10. Et 10 fois 75, ça me fait 750. 750 plus 50, ça me fait 800. Et maintenant, 5 plus 6. Qui me font 11, et 800 moins 11, ça me fait 789. Malheureusement, Kader, vous avez utilisé 2 fois le chiffre 5 et vous ne marquez pas de points, donc vos points sont attribués directement à Cédric. Cédric qui prend 10 points. Pour avoir exactement 791, il fallait faire 75 moins 3 égale 72, 6 plus 5 égale 11, 72 fois 11, 792 moins 1, 791. À ce stade, Kader est toujours en tête avec 44 points et Cédric 33 points. On passe à notre prochaine manche, le Scrabble. Dans cette manche, les candidats choisissent alternativement entre 7 consonnes, 3 voyelles, 8 consonnes, 2 voyelles, 8 voyelles, 2 consonnes, 7 voyelles, 3 consonnes. Cédric, vous avez la possibilité de choisir. Bon, 7 consonnes, 3 voyelles. 7 consonnes, 3 voyelles.
Voici les lettres. S, A, H, I, H, I, L, S, T et B. Trouvez-nous le mot le plus long. Avec S, A, H, I, H, I, L, S, T et B. Trouvez-nous le mot le plus long. Cédric, vous avez un mot de combien de lettres à nous proposer? Bon, j'ai un mot de 5 lettres. 5 lettres. Et vous, Kader? J'ai un mot de 6 lettres. 6 lettres. On vous écoute, Kader. Et j'ai Abi. 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 Vous pouvez épeler, s'il vous plaît. H. Oui. A. B. I. T. S. C'est exact, Kader. Ça vous fait 12 points. On vous écoute, Cédric. Moi, j'ai le mot billet. B-I-A-I-S. C'est exact, Cédric. Ça vous fait 10 points. Avec ces lettres, le mot le plus long qu'on pourrait avoir est un mot de 7 lettres. C'est le mot Tassili. Ce qui s'écrit T-A-S-S-I-L-I. Tassili est un mot berbère qui désigne des plateaux graisseux au Sahara. Prochain exercice. Proposition Kader. Et je choisis 3 consonnes, 7 voyelles. 3 consonnes, 7 voyelles. Voici les lettres. A, P, I, D, E, N, E, U, E et O. Avec A, P, I, D, E, N, E, U, E et O. Trouvez-nous le mot le plus long. Kader, vous avez un mot de combien de lettres à nous proposer? Je vais pour un mot de 5 lettres. 5 lettres. Et vous, Cédric? Moi, j'ai un mot de 6 lettres. On vous écoute, Cédric. J'ai le mot pendu. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît. P-E-N-D-U-E. C'est exact, Cédric. Ça vous fait 12 points. On vous écoute, Kader. Oui, j'ai peine. Oui. P-E-I-N-E. C'est exact également. Ça vous fait 10 points. Avec ces lettres, le mot le plus long qu'on pourrait avoir est un mot de 8 lettres. Et c'est le mot épanoui. Épanoui qui s'écrit E accent aigu. P-A-N-O-U-I-E. À ce stade, Kader est toujours en tête avec 66 points et Cédric 55 points. Cédric, ça va? Oui, ça va. D'accord, on espère que vous allez vous rattraper avec les prochains exercices. Ok, on espère vraiment. D'accord. Thomas? Le compte est bon. Le compte est bon pour Thomas et Lucien? Oui, le compte est bon. Mm-hmm. À tous les passionnés de jeux, de lettres, de calcul et de culture générale, l'émission de jeux télé des mots et des maths est la vôtre. Vite! Inscrivez-vous en appelant ou en envoyant un SMS au 61 29 67 67 ou au 69 46 21 46 ou sur la page Facebook de l'émission des mots et des maths. Des mots et des maths, restez intellectuellement athlétiques. Sans plus tarder, on passe à notre prochaine manche. L'anagramme. Premier exercice d'anagramme. Trouvez-nous le mot qui se cache derrière tuera avec comme indice les uns. Trouvez-nous le mot qui se cache derrière tuera avec comme indice les uns. Kader, vous avez un mot à nous proposer? Oui, j'ai une proposition sans conviction. D'accord. Et vous, Cédric? Oui, également, j'ai une proposition. On vous écoute, Cédric. J'ai autre.
Autre, vous pouvez épeler s'il vous plaît. A, U, T, R, E, S. Kader, on vous écoute. J'ai également le même mot. Oui. Autre, A, U, T, R, E, S. C'est exact, ça vous fait chacun 10 points. On passe au deuxième exercice d'anagramme. Trouvez-nous le mot qui se cache derrière Freuda avec comme indice dossier. Trouvez-nous le mot qui se cache derrière Freuda avec comme indice dossier. Cédric, vous avez une proposition à nous faire? Oui, j'ai une proposition. Et vous, Kader? Également une proposition. On vous écoute, Kader. J'ai DARF. Oui. D-A-R-F-E. Cédric, on vous écoute. Bon, moi, j'ai le mot FRADE. Oui. F-A-F-R-A-D-E. On vérifie ensemble. Le mot qui se cache derrière FREUDA avec comme indice dossier, c'est le mot FARD. FARD qui s'écrit F-A-R-D-E. Malheureusement, aucun de mes candidats ne marque de points. On passe à notre prochaine manche, les mots croisés. Dans cette manche, le candidat qui a moins de points a la possibilité de choisir entre les thèmes suivants. L'astronomie, couvre-chef, économie. Alors Cédric, vous avez la possibilité de choisir entre ces thèmes. Vous choisissez lequel? L'économie. Économie. À l'horizontale en 1, inflation et chômage cumulés. À la verticale en 2, récépissé remis au commerçant au moment où il dépose une marchandise. À l'horizontale en 3, rémunération des actionnaires. À l'horizontale en 1, inflation et chômage cumulés. À la verticale en 2, récépissé remis au commerçant au moment où il dépose une marchandise. À l'horizontale en 3, rémunération des actionnaires. Kader, vous avez des propositions à nous faire? Oui, j'ai une proposition à l'horizontale 3. Et vous, Cédric? Oui, malheureusement, je n'ai pas de proposition. On vous écoute, Kader. À l'horizontale 3, rémunération des actionnaires, je propose dividende. D-I-V-I-D-E-N-D-E. On vérifie ensemble. À l'horizontale en 1, inflation et chômage cumulés. Stagflation. S-T-A-G-F-L-A-T-I-O-N. À la verticale en 2, récépissé remis au commerçant au moment où il dépose une marchandise. Warren. W-A-R-R. A-N-T. À l'horizontale en 3, rémunération des actionnaires. C'est bien dividende. D-I-V-I-D-E-N-D-E. Kader, ça vous fait 10 points. Malheureusement, Cédric ne marque pas de points. À ce stade du jeu, Kader est toujours en tête avec 86 points et Cédric 65 points. On passe à notre prochaine manche, le piège. Dans cette manche, le candidat qui a plus de points a la possibilité de choisir et pour lui et pour son adversaire entre A qui compte 10 points, B 20 points, C 30 points. A, voici le thème, le cap vert.
B. Prix Nobel de la paix. C. Les présidents assassinés. Kader. Bon, je prends le A pour mon adversaire et le B pour moi-même. D'accord. Cédric, voici votre question. Le Cap-Vert est composé de combien d'îles et îlots? Kader, votre question. Qui est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix? Kader, vous avez une proposition? Une proposition sans conviction. Et vous, Cédric? J'ai une proposition également. On vous écoute, Cédric. Bon, je propose 5. 5 îles. Et îlots. Et îlots. Et vous, Kader? Le prix Nobel, le plus jeune, je propose Albert Einstein. On vérifie ensemble. Le Cap-Vert est composé de combien d'îles et d'îlots? La réponse est 10 îles et 8 îlots. Vous ne marquez malheureusement pas de points, Cédric, et vos points sont attribués à Kader. Qui est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix? La réponse est Malala Yousafzai, pakistanaise en 2014, devient à 17 ans la plus jeune lauréate, place qui était détenue par Martin Luther King depuis 1964. Kader, malheureusement, vous ne marquez pas de points non plus et vos 20 points sont attribués à Cédric. Nous sommes à la fin de cette manche avec une belle victoire de Kader qui totalise 96 points et Cédric 85 points. Ainsi s'achève cette émission. On se donne rendez-vous avec Kader et un autre candidat pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien. Avec les mots et des maths, restez intellectuellement athlétiques.